c'est une manifestation qui existe depuis 17 ans. Donc au départ, c'était un concept de mettre en valeur le cabri sur le territoire de la Désirade. Après, chaque année, cette fête a évolué. Et depuis 2 ans, je dirais, on a pris un tournant. On s'est dit, il faut se donner les moyens pour faire connaître cette fête. C'est un produit, parce que c'est vrai que de plus en plus de gens parlaient de la fête à Cabrit. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on a mis beaucoup plus de moyens sur la communication, sur le faire valoriser cette manifestation. Et on a réussi depuis l'année dernière à mettre le niveau, je dirais, un peu plus haut. On voit les gens venir s'amuser, on voit les gens venir en nombre s'amuser. Hier soir, le concert était filmé en live et transmis sur les réseaux, la radio et autres. Et on voit bien que les gens suivent parce que j'ai vu des dizaines de milliers de vues et des dizaines de milliers de personnes qui suivaient, qui écoutaient. Donc je suis content en tant que maire et avec mon équipe derrière moi de la réussite de cette manifestation et on continue à travailler dans ce sens-là pour améliorer et faire toujours mieux pour la population mais aussi pour nos visiteurs de façon à ce que chacun trouve son intérêt et bien sûr qu'on puisse développer le territoire de la Désirade et bien sûr le territoire de la Carpe.